Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Téléfoot, hein, le deuxième de la saison consacré donc à la deuxième journée du championnat emblématique deuxième saison. Alors, au programme, beaucoup d'éléments puisque nous allons suivre le match Toulon-Racing-Paris, en tout cas Matra-Racing, puisque le Matra-Racing s'était imposé lors de la première journée face à Lille et était déjà le leader provisoire de ce championnat. Les Racingmen se déplaçaient à Toulon. Nous allons suivre également d'autres rencontres comme notamment Saint-Étienne-Metz, Monaco-Rouen, Marseille-Nantes qui était une affiche au stade de Vélodrome et PSG-Sochaux. Nous suivrons également Bordeaux-Lens et en deuxième division à la fin de ce téléfoot, restez avec nous puisqu'il y aura déjà de grosses affiches. Dans le groupe A, il y avait Rennes qui recevait Mulhouse, hein, deux prétendants à la montée. Et dans le groupe B, la grosse affiche déjà au bout de cette deuxième journée entre deux clubs relégués la saison dernière, c'est-à-dire Nancy, qui recevait Tours. Voilà. Nous allons donc voir l'ensemble de ces résumés et nous commençons donc cette deuxième journée avec le résumé de Toulon Matra Racing. Le Matra Racing, justement, leader provisoire hein, au terme de cette première journée, se déplaçait à Toulon, un déplacement toujours difficile, surtout que les Toulonnais ont recruté Delio, Onis et Paganelli cet été sur le front offensif. Mais ce sont les Parisiens qui vont se mettre en évidence les premiers. Lidbarski bien servi par Francescoli. Il dribble Courbis sur le côté. Il centre et Francescoli de la tête, mais ça passe juste au-dessus de la cage de Vizcaino. Racingman qui essaye de se projeter vers l'avant. Mais les Toulonnais, eux, sont très réalistes et très efficaces sur le plan offensif. En tout cas, c'est ce qu'on espère cette saison. Nkuka pour Pardo. On est à la demi-heure de jeu. Il lance en profondeur Paganelli. Avenay, lui, tarde un peu trop. Et finalement, c'est une mésentente dans la défense du Racing qui profite à Delionis. Et ça fait 1-0 pour Toulon sur sa première occasion. Grosse mésentente entre Olmeta et son défenseur. Il n'en fallait pas plus à Delionis, le Goldeador, l'ancien joueur du FC Tours, recrue toulonnaise de l'été pour ouvrir le score. Ensuite, en seconde période, le Racing va essayer de réagir. Francescoli, au 20 mètres, qui rentre finalement dans la surface. Et là, il veut frapper, mais il est repris par Mendy. Et c'est un corner pour les Parisiens, tiré par Francescoli lui-même. Personne à la récupération. Les Toulonnais s'en sortent sans trembler. Le Racing qui a eu beaucoup de mal à déployer son jeu hier soir. Toulon, lui, a joué par séquence offensive comme la Paganelli qui file au but et il vient buter sur Olmeta. Il avait poussé un peu trop loin son ballon. Et Paganelli très en forme encore lui sur le côté droit. Il va plus vite que les joueurs parisiens. Il centre et d'Alger de la tête 2-0. Superbe but. Une tête catapultée dans la lucarne d'Olmeta et ça fait 2-0. Le Racing hier soir n'a jamais pu prendre la mesure de ce match face à des Toulonnais très offensifs et très efficaces. Et on notera le très bon travail de Laurent Paganelli qui a quitté Saint-Etienne cet été pour venir à Toulon. Et il a visiblement retrouvé toutes ses sensations. Une équipe de Toulon hier soir qui a été assez séduisante. Le Racing lui a beaucoup déçu. Très très brouillon, là c'est Ruben Paz pour Francescoli qui va frapper encore une fois de loin et encore une fois ça n'est pas cadré. Le Racing qui avait fait un très bon match face à Lille lors de l'ouverture du championnat mais qui a déçu hier soir et finalement 2-0 pour Toulon. Première victoire pour Toulon, première défaite pour le Matra Racing. Marseille-Nantes au stade de Vélodrome, c'est la première de l'OM sur son terrain. Après avoir fait un match nul 0-0 à Toulouse, c'est déjà un choc face à Nantes, lui aussi prétendant à la Coupe d'Europe. Et les recrues marseillaises ont été présentées au public hier soir. Mais maintenant, il faut gagner pour l'OM et surtout marquer des buts, car à Toulouse, on avait vu que l'OM avait eu quand même pas mal de difficultés à déployer son jeu. Le début de match va être bien évidemment à l'avantage de l'OM qui va se ruer sur le camp nantais. Là, c'est Klaus Allofs qui déborde, qui centre, mais malheureusement personne à la récupération. Et on va le voir, les Marseillais qui ont des bonnes intentions mais qui n'ont pas vraiment de solution dans le jeu, même si là c'est Kenneth Brilleux, la recrue danoise, qui centre et encore un ballon repoussé.
Yvon Leroux, lui aussi l'autre truc qui frappe, c'est repoussé. Ça revient sur Leroux, Siskovic. Grosse pression sur le camp nantais, Siskovic qui centre finalement. C'est un corner. Corner tiré par Siskovic. Bertrand Neumann s'empare du ballon en deux temps et on le voit, Nantes subit, mais pour l'instant Nantes tient bon car l'OM est quand même assez imprécis. Là c'est Bernard Gengini juste avant la demi-heure de jeu, il fait un petit festival mais là il va aller s'enfermer sur le côté, il repique au centre mais encore une fois Papin est devancé par la charnière centrale nantaise et ensuite c'est un ballon qui sort sans danger. L'OM domine mais il n'arrive pas du tout à se créer de réelles occasions même si là Brilleux fait un festival, il élimine deux joueurs nantais. Il pousse trop loin son ballon et Bertrand Neumann vient mettre fin à cette offensive. Marseille 0-0 à la mi-temps. Côté nantais, il aura fallu attendre la 58e minute pour voir une occasion. Ali Lodzic qui sert Touré pour Loïc Amiss. Il va plus vite que Bracci. Il rentre dans la surface de réparation. Il frappe, mais ça passe à côté. Attention, l'OM aurait pu se faire surprendre. C'est vrai qu'on peut reprocher aux Nantais hier soir de n'avoir pas pris de risque et d'avoir défendu de cette contenté de ce match nul. Là c'est Klaus Allofs qui rentre dans la surface, il frappe, c'était bien joué. Mais Bertrand Neumann repousse le ballon côté nantais, on ne désespère pas de faire le hold-up. Alors on fait rentrer Mo Johnston, l'attaquant écossais à la place de Weidel et Lodzic. Brilleux à 5 minutes de la fin qui va centrer, mais encore un ballon qui ne trouve pas preneur. Beaucoup de déchets hein, dans le jeu marseillais quand même. Stiskovic qui veut chercher ses coéquipiers mais ne trouvera pas. Et on l'aura compris, Marseille n'a pas trouvé la solution. Il y a encore beaucoup de réglages à faire pour l'OM qui est encore en rodage. Score final 0-0. Nantes, lui, est bien heureux de ce point car les Nantais n'ont pas pris de risque hier soir. Et pour Marseille, il va falloir encore cravacher. Bordeaux lance hein, les Bordelais candidats au titre, on le sait. Avaient démarré leur saison par un match nul 0-0 à Metz, là aussi. Un peu à l'image des Marseillais, les Bordelais ont encore des automatismes à trouver. Mais on va le voir, le pressing bordelais va être assez important. Là, c'est Giresse hein, qui finalement veut servir en profondeur, mais ne trouvera personne. Beaucoup d'approximations en ce début de rencontre. Mais c'est quand même Bordeaux qui domine. 25e minute, René Girard qui sert Fernando Chalana qui était aligné. Il n'était pas aligné lors du premier match à Metz. Il va centrer, mais là, personne à la récupération. On l'a dit, un peu comme Marseille hein, face à Nantes, les Bordelais ont quand même beaucoup encore d'approximations dans leur jeu. Mais le pressing va être payant puisque Girard récupère le ballon. Alain Giresse qui sert Chalana. Il va plus vite que Jean-Pierre Bade. Centre, un ballon qui navigue. Giresse encore lui, c'est repoussé. Girard a suivi 1-0. Mais ce but va être refusé pour une position de hors-jeu. On va revoir ça sous un autre angle effectivement. Farjon et Girard lui-même étaient signalés en position de hors-jeu. Mais il est vrai que Lens souffre de plus en plus. C'est un peu une attaque-défense. Là, c'était Zoran Vujovic qui sert Alain Giresse. Et là, finalement, il veut piquer son ballon. Et ça passe juste au-dessus. Il aurait peut-être dû frapper. Et à la mi-temps, on est à 0-1-0. En seconde période, hein, Lens va essayer de mettre le nez à la fenêtre. Brisson qui centre pour une tête de Ramos, mais qui n'inquiète pas. Dropsy, c'est quand même Bordeaux qui maîtrise ce match. Chalana, Girard, Tigana, Giresse, ça combine bien. Et là, c'est Tigana qui est lancé en profondeur. Et là, superbe geste, très astucieux, une pichenette. Et cette fois-ci, c'est le 1-0 pour Bordeaux. C'est logique, mais on notera vraiment la très bonne qualité de passe hein, des milieux de terrain bordelais. Et Jean Tigana qui ouvre le score, c'est le premier but bordelais de la saison. Très belle finition. Et Tigana, c'est une fois n'est pas coutume, qui est buteur. Lens va essayer de réagir. Xuereb sur le côté, qui veut centrer. Et Vercruis lui reprend ce ballon en première intention, mais ça passe largement au-dessus. Bordeaux ne tremble pas, Bordeaux domine. Et Zlatko Vujovic, lancé en profondeur, viendra buter sur Gaëtan Huard, qui dégage au pied. On en restera là, hein. Bordeaux s'impose sur le plus petit des scores, 1-0, mais c'est mérité. Car Lens, vraiment hier soir, n'a pas montré grand-chose. Et Bordeaux, on le sent, est encore en rodage lui aussi. Mais au moins, contrairement à l'OM, a au moins l'avantage de prendre les deux points de la victoire. Score final 1-0.
Paris Saint-Germain, Sochaux. Les Sochaliens s'étaient imposés face à l'Olympique Lyonnais lors de la première journée. Le PSG, lui, avait été accroché à Strasbourg et avait quand même souffert. Mais le Paris Saint-Germain, hier soir, va dominer cette rencontre. Vermeulen, Calderon, tous les titulaires étaient présents. Et là, c'est Suzy qui frappe, mais ça passe à côté. On va le voir, des Sochaliens qui vont se limiter aux tâches défensives. Bousculé par une équipe du PSG très offensive hier soir. Suzic, 13e minute, il élimine Ruti. Il déborde. Et là, c'est Daleb qui reprend. Reprise de volée acrobatique pour l'instant. Il n'y a pas de précision. On suit l'action dans sa continuité. Ruste pour Sylvestre. Regardez, mauvaise relance. Calderon. Suzic qui donne à Vermeulen. Là, on pense qu'il va ouvrir le score, mais sa frappe est un peu molle. Et Ruste s'interpose, attention, les Sochaliens qui se sont fait peur sur ce coup. 0-0 à la mi-temps et juste en début de seconde période. Mauvaise relance de Lucas. Luis Fernandez récupère. Il joue avec Suzic qui donne à Vermeulen. C'est bien joué. Là, il rentre dans la surface de réparation. Il frappe, c'est contré. Et attention, puisque la contre-attaque sochalienne aurait pu être efficace. Stéphane Paille, très bon mouvement sochalien pour Anziani. Anziani qui sert Jackie Collin, il frappe, mais là non plus ce n'est pas assez fort. Mais l'intention était bonne, attention, le Paris Saint-Germain aurait pu se faire surprendre sur ce coup-là. On suit l'action dans sa continuité. Le mou pour Daleb, il va filer sur le côté droit comme il l'avait fait à Strasbourg lors de la première journée. Il va adresser un centre pour Rocheteau, mais cette fois-ci ça ne passe pas. On se rappelle qu'à Strasbourg ça avait fini au fond des filets. Toujours 0-0, hein, 77e minute. Paris, quand même, pour l'instant, n'est pas assez efficace, mais tout va s'arranger puisque Adzibeji qui est pris de court par Vermeulen qui vient trouver la lucarne de Rust et ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. C'est logique. Un succès qui était long à se dessiner pour les joueurs de la capitale. Mais il est vrai que Paris, hier soir, maîtrisait quand même son sujet. On revoit une superbe ouverture et là, Vermeulen, hein, qui prend le dessus sur Adzibeji un peu court. 1-0 pour Paris. Et Paris va faire le break assez rapidement. À peine 5 minutes plus tard, Rocheteau, Vermeulen pour Rocheteau encore. Et là, finalement, regardez, il rentre dans la surface. Il va plus vite que Ruti. Il frappe, c'est repoussé. Et Suzic a suivi de la tête. 2-0. Le break est fait. Sochaux a craqué vraiment en fin de rencontre. Et le Paris Saint-Germain qui sauve donc son premier succès de la saison et qui a pratiqué un spectacle, proposé un spectacle intéressant hier soir. Frappe de Rocheteau, on le voit, Ruste a fait ce qu'il a pu mais abandonné par sa défense. Suzic met ce ballon au fond, score final 2-0 pour Paris. Monaco, un champion de France en titre, n'avait pas brillé à Bastia, avait été largement dominé mais s'était imposé complètement contre le cours du jeu, ça avait été un hold-up. Et la qualité de jeu monégasque est déjà discutée en ce début de saison. Et face au promu rouennais, l'occasion était belle pour justement faire taire les critiques. Et là, c'est Marcel Dib à la 12e minute qui frappe. Mais un ballon qui s'envole dans les nuages. Et on va le voir. Une soirée qui va être bien morose à Louis II. Les monégasques, certes, ont dominé ce match, mais tout simplement incapables de faire la différence. Là, c'est Atlet qui va plus vite que Jarolim qui centre en retrait, mais personne à la récupération. Un symptôme monégasque un peu caractérisé sur cette action. Bijota, lui, de son côté, débordera Bertelsen. Il centre et encore une fois, personne à la récupération. Les Rouennais qui s'attendaient à un match compliqué, finalement, ont passé une soirée assez tranquille. Et auraient même pu surprendre un Monaco. On va le revoir plus tard. Mais même si là, c'est Atlet qui tente sa frappe. Mais là non plus, ça n'est pas cadré. On l'a dit, Rouen aurait pu créer le hold-up. Bertelsen à la 71e minute. Il se défait de deux monégasques. Il attend une solution. Il joue derrière avec Jarolim. Jarolim qui a un contre favorable. Regardez, il frappe et Tori est battu et ça passe juste à côté. Monaco s'est fait peur. Et Rouen, en tout cas hier soir, qui a bien profité de l'apathie monégasque. Monaco incapable de créer le danger. Là, regardez, Edström, il est tout seul face à 4 joueurs rouennais. Alors forcément, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On frappe et ça finit à côté. Score final 0-0. Triste Monaco qui devra vraiment trouver les solutions pour redevenir ce qu'il était la saison dernière. Saint-Étienne-Metz, les Verts
étaient revenus de Rouen un peu frustrés, hein, car ils avaient dominé cette équipe normande, le promu, et auraient mérité de s'imposer. Et forcément, ils veulent ouvrir leur compteur face à Metz au stade de Geoffroy Guichard. Effectivement, les Verts vont dominer l'équipe de Metz, malheureusement, hier soir, qui n'a pas pu faire grand-chose. Et il y a un joueur qui s'est vraiment distingué, c'est Mustapha El Hadaoui. Là, il déborde, il centre, une tête, et ça passe en corner, puisque ce ballon a été touché par un joueur messin sur cette tête de Tibeuf. Corner de Jean-François Larios, un ballon qui navigue devant la cage messine. Messi Vebeck, la recrue danoise, joue avec Johnny Rep qui frappe, c'est contré, et ça faillit être détourné. Saint-Etienne pousse, mais pour l'instant, toujours pas de but, on le voit, hein, ça aurait pu être un billard fatal au Messin. Mais les Verts, très combatifs dans le milieu de terrain, on l'a vu. Tibeuf là qui est bien servi, il va plus vite que Zapia, frappe tendue, et c'est le 1-0 pour Saint-Etienne. C'est logique, car Metz n'avait rien proposé jusqu'ici. Et Saint-Etienne qui trouve le chemin des filets, 1-0. On revoit, c'est un gros travail de Jean-François Larios dans l'axe du jeu qui permet aux Verts d'ouvrir ce score. Larios encore lui, là il passe en revue trois joueurs messins. Il joue avec Garande qui veut servir Tibeuf en profondeur, mais Michel Etor est le plus prompt. Les Messins sont nettement dominés. Saint-Etienne a de plus en plus de situations, mais toujours un but d'avance pour l'instant. Garande, il file au but. Mais là, il vient buter sur Michel Etor. Dommage, manque de réalisme de l'attaquant stéphanois. Mais c'est bien Saint-Etienne qui a les occasions. Et Metz aurait pu surprendre tout son monde sur cette tête de Bocante. Regardez, Castaneda s'interpose et l'action n'est pas finie, puisque Philippe Tiss frappe aux 20 mètres. Et c'est la transversale qui sauve les Verts. C'était la seule occasion des Messins dans ce match. Saint-Etienne s'est fait peur, mais Saint-Etienne va se rassurer en toute fin de match sur un exploit individuel d'El Hadaoui. Il élimine, regardez, deux joueurs Messins. Il file tout seul sur le côté droit. Il rentre dans la surface de réparation. Il élimine Tiss. Ça fait 3 joueurs et frappe tendue. Petit filet. 2-0. On peut parler d'un exploit individuel de Mustapha El Hadaoui qui a déjà pris ses marques dans le collectif stéphanois. Il avait déjà fait grosse impression lors du premier match à Rouen. Et Saint-Etienne s'impose logiquement, certes, 2-0. Et empoche son premier succès de la saison. Et Metz, hier soir, par cette frappe sur la transversale et cette tête de Bocandé, n'a malheureusement pas montré grand chose. Et Saint-Etienne, en tout cas, qui lance sa saison. Voici hein, l'ensemble hein, des résultats de cette deuxième journée. Et regardez, Strasbourg qui a battu Bastia 3-1. On le verra, Strasbourg est leader de ce championnat. Auxerre bat Lille 1-0, Brest bat Laval 2-1, Bordeaux-Lens 1-0, nous l'avons vu, Saint-Etienne-Metz 2-0, nous l'avons vu également. Triste match de Monaco 0-0 face à Rouen, les Monégasques hein, qui pour l'instant ont encore beaucoup de réglages à améliorer. Toulon bat Matra Racing 2-0, nous l'avons vu, Marseille-Nantes 0-0, inefficacité offensive de l'OM pour l'instant. Toulouse, équipe en forme de ce début de championnat qui s'impose 3-1 à Nice. Lyon, Montpellier, 2-2. Les Lyonnais qui jouaient leur premier match à domicile prennent un point face à Montpellier. Le PSG a battu Sochaux 2-0. Au niveau du classement, Strasbourg hein, prend la tête du championnat avec 3 points. Mais est suivi de beaucoup d'équipes avec 3 points, comme 2e Toulouse, 3e Paris Saint-Germain, 4e Saint-Etienne, 5e Auxerre, 6e Monaco. Un Monaco, malgré un piètre spectacle, a quand même pris 3 points en 2 matchs. 7e Nantes, 3 points également. 8e Bordeaux, 3 points. Ensuite, 9e Toulon avec 2 points, égalité avec Montpellier. 10e Brest, 11e. Le Matra Racing, 12e, 13e Lens, 2 points également, tout comme Sochaux, 14e, 15e Rouen, et l'Olympique de Marseille, un peu à la traîne pour l'instant, avec 2 points. On notera l'inefficacité marseillaise pour l'instant, 2 matchs, 0 but inscrit. Ensuite, on trouvera les équipes avec 1 point, c'est-à-dire Laval, 17e, Nice, 18e, Lyon, 19e, Metz, 20e. Et deux seules équipes pour l'instant sont toujours sans points, avec 2 matchs, 2 défaites, c'est-à-dire Bastia et Lille. Attention, il va falloir quand même engranger les points le plus rapidement possible.
Passons maintenant à la deuxième division où le calendrier, le hasard du calendrier faisait qu'il y avait déjà des grosses affiches, notamment dans le groupe A, Rennes recevait Mulhouse, hein, deux prétendants à la montée, et dans le groupe B, une grosse affiche également, tout simplement entre les deux relégués de la saison dernière, Nancy, qui recevait Tours. Alors nous allons voir l'ensemble de ces résumés. Rennes-Mulhouse, hein, duel de prétendants déjà au bout de la deuxième journée entre des Rennais qui avaient été barragistes la saison dernière, qui avaient failli accéder à la division 1, et Mulhouse, hein, qui avait raté sa saison mais qui cette année, en recrutant Didier Six notamment, a affiché ses ambitions. Et les Alsaciens vont se montrer très très forts. Là c'est Djurkalik, hein, au quart d'heure de jeu qui centre un ballon pour l'instant qui finit dans les gants de Bourges. Premier avertissement sans frais car on va le voir, les Mulhousiens vont avoir une grosse emprise sur ce match. Encore Djurkalik sur le côté droit, il centre. Un ballon mal renvoyé par les Rennais. Plemelding qui temporise, il écarte pour Tirlois. Djurkalik, encore lui, qui va centrer. Plemelding de la tête et réflexe du gardien Rennais. Ça chauffe de plus en plus sur la cage des Bretons. Et Erlaché va centrer. Marais va sortir ce ballon. Mais on sent vraiment que Rennes n'arrive pas à contenir les assauts alsaciens. Et en seconde période, Mulhouse va logiquement ouvrir le score. Salah Assad sur le côté, il va plus vite que Charrier. Il centre et Didier Six de la tête, 1 à 0. Didier Six, un très très en forme et très bien intégré dans le collectif mulhousien. Il marque son deuxième but de la saison, le deuxième but mulhousien aussi depuis le début du championnat. On revoit, hein, ce centre et Six étrangement seul, hein, vraiment, vient inscrire ce premier but, un but qui va littéralement couper les jambes, hein, des Rennais, puisque Mulhouse va rapidement inscrire un deuxième but. Djurkalik vraiment du match hier soir, il va plus vite que Vézir, il centre et qui est encore là, Didier Six, le doublé pour l'international français, 2 à 0, 3 buts de Mulhouse en 2 matchs, 3 buts de Didier Six, ce qui prouve que l'international français sera décidément l'attraction de cette saison en deuxième division. Et Mulhouse hier soir qui vraiment a été impressionnant. Alors on le sait, un championnat est très long. Il va falloir jouer de la sorte toute la saison pour retrouver la première division. Les Rennais vont essayer de réagir, mais de manière sporadique. Le cœur n'y était déjà plus. Guy Lacombe sert Dominique Vézir. Il va plus vite que Erlaché. Il frappe, mais ça passe juste au-dessus de la cage de Palu. On en restera là. Score final 2 à 0. Mulhouse hier soir s'est déjà affiché comme le patron. Et dans le groupe B, match déjà au sommet pour cette deuxième journée, Nancy reçoit Tours, hein, les deux relégués de la saison dernière qui doivent absolument, cette saison en tout cas, viser la montée en division 1. Tours s'était imposé lors de son premier match face à Louhans-Cuiseaux. Et Nancy avait dû se contenter d'un match nul à Guignon. Et les visiteurs vont se montrer dangereux. Là, c'est Almiron, hein, qui frappe, la recrue argentine du FC Tours. Il vient faire frissonner les spectateurs de Marcel Picot. Mais on va le voir, Nancy va mettre du temps à rentrer dans ce match. Mais les Nancy ensuite vont dominer cette rencontre. Là, c'est Adriano Fejic pour Pierrez qui sert Stéphane en profondeur. Pour l'instant, ça n'est pas précis. Mais au fil des minutes, hein, les Tourangeaux ont de plus en plus de mal à contenir les assauts nancéens. Casini qui sert Stéphane encore les. Regardez, super contrôle de la cuisse, il frappe. Et Desrousseaux vient sortir ce ballon en corner. C'était une réelle occasion de but. Un corner qui sera tiré par Pierrez. Un ballon mal dégagé. Et Stéphane, encore lui, en pivot qui frappe et trouve les gants de Desrousseaux. Hein. L'attaquant écossais de l'AS Nancy Lorraine qui en tout cas pour l'instant ne marque pas mais qui a déjà montré ses qualités. Tours subit de plus en plus et Nancy domine, hein, vraiment ce match. Là c'est Pierrez qui fait tricoter un petit peu, il donne à Stéphane, il a le compte favorable, il frappe mais c'est dans les gants de Desrousseaux. Des Tourangeaux qui ne prennent aucun risque et qui se contentent de défendre. Solide, hein, les Tourangeaux hier soir face à des Nancyens qui ont tout essayé, qui n'ont encore pas trouvé, je pense, les réglages nécessaires pour remporter des matchs pour l'instant. Il y a une tête de Fejic qui passe à côté. Dommage. En tout cas, Nancy a montré de belles choses, comme il l'avait montré à Guignon lors de la première journée. Même si le résultat n'est pas au rendez-vous,
car on l'aura compris, on va se quitter sur un score de 0-0. Là, c'est Rubio qui donne à Stéphane, encore lui, qui redonne à Rubio, qui frappe dans les gants de Desrousseaux. Score final 0-0. Tours est certainement satisfait de ce résultat pour Nancy. La saison commence doucement, mais on sent que Nancy, quand même, a un collectif intéressant. Score final 0-0. Voilà, on l'a vu, une division 2 très très intéressante avec des belles équipes, de belles affiches. Et on l'aura vu un peu comme en division 1. Il faut que la mayonnaise prenne, hein, pour Nancy notamment. Et visiblement pour Mulhouse dans le groupe A, cette mayonnaise fonctionne déjà très bien avec Didier Six qui semble très affûté. Voilà, ce numéro de Téléfoot, hein, consacré à la deuxième journée du championnat emblématique est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis et bien sûr je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.